Ce chemin mène au cachot. Allô, Mora ? Elasticus ! C'est le chemin vers le défi de Crack Badaboom. Allô, Mora ! Commence ! Changer quelque chose? Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai du mucus de Veracras, mais seulement pour une durée limitée. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi, Harry. Désolée, mais tu viens d'acheter le seul article qu'il me restait. Allô, Mora !
chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Les toilettes de Mimi Géniard. Oh, c'est si déprimant. Descends dans les cachots et essaie d'entrer dans la salle commune des Serpentards et de trouver Drago. Dépêche-toi, Harry, le temps presse. C'est pas le moment de traîner, Harry. Je suis dans la salle de métamorphose. J'ai reçu un hibou de mes parents. Ils sont très inquiets de ce qui se passe ici. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Le véritable héritier de Serpentard. Et peut-être une héritière, qui sait? Mais que fais-tu donc ici? Je ne peux pas te parler maintenant, Harry. Bonne journée. Ne devrais-tu pas être en cours, Harry? Bonjour, Harry. Je suis Madame Pomme Fraîche, l'infirmière de Poudlard. Mais que fais-tu donc ici? Tu es blessée? Bonjour, Harry. Je suis Madame Pomme Fraîche, l'infirmière de Poudlard. Sécurité avant tout, Harry. La sécurité avant tout. Elasticus! Ah!
Je n'ai jamais vu autant de piqûres d'araignées en une seule année. Cérémonie des points. Voyons maintenant quelle maison est en tête cette semaine. Gryffondor est en tête. Harry, tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Thank you.
Harry, Mimi Génière n'a pas l'air en forme. Vous voulez dire plus que d'habitude? J'entendais ses gémissements depuis le grand escalier et le couloir devant ses toilettes était encore inondé. Tu ne crois quand même pas qu'il y a eu une autre agression? Je n'en sais rien. Viens, allons voir. Salut Harry! Regarde devant toi quand tu marches! Allez Harry! Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? Elasticus! Quelqu'un t'a jeté quelque chose? Oui, un livre. Il est là-bas. Attends, papa m'a dit que certains livres pouvaient être très dangereux. On dirait un vieux journal intime. Il appartenait à T.E. Jeu du sort. Qui que ce soit, il n'a rien écrit dedans. Toutes les pages sont blanches. Bonjour, Harry Potter. Je m'appelle Tom Jeu du sort. Je suis à Poudlard et d'horribles événements se produisent. Savez-vous quelque chose sur la Chambre des Secrets? Quand j'étais en cinquième année, la Chambre des Secrets a été ouverte et le monstre a tué une fille. J'ai capturé le coupable qui avait ouvert la chambre et il a été renvoyé. Tu veux que je te montre? Je peux t'emmener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. Harry était fasciné par les souvenirs que lui dévoilait Tom. Allez, viens! Il faut te sortir de là! Allez, viens! Dans la boîte! Ça va aller! Allez, viens! Voilà! Bonsoir, Rubeus. Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom? C'est fini. Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit. Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. J'ai jamais tué personne! Allez, viens. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'abattre la chose qui a tué cette fille. C'était pas lui! Jamais il aurait fait ça! Jamais! Écarte-toi! Non! Harry savait depuis toujours que Hagrid avait un faible pour les créatures géantes et monstrueuses. Mais il était également certain que jamais Hagrid n'aurait cherché à tuer quelqu'un. Jeu du sort a dû accuser la mauvaise personne. Peut-être que c'était un autre monstre qui agressait les élèves. À ton avis, il y a combien de monstres ici? Nous savons que Hagrid a été renvoyé. Les agressions ont dû cesser par la suite, sinon Jeu du sort n'aurait pas été récompensé. Journal de Jeu du sort. Il a disparu. Quoi? Mais c'est forcément un élève de Gryffondor qui l'a volé. Personne d'autre ne connaît le mot de passe. Exactement. Tuez cette fois. Déchirez. Écorchez. La voix. Je viens de l'entendre à nouveau. Pas vous? Je n'ai rien entendu. Harry, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Mais McGonagall a dit de rester ici en dehors des heures de cours. Et moi, je vais aller voir Hagrid. S'il a déjà libéré le monstre une fois, il doit savoir comment pénétrer dans la Chambre des Secrets. Hagrid est dans sa cabane dans le parc, Harry. Mais tu le sais déjà. Suis-moi, Harry. Thank you.
Voir quelqu'un qui ressemble à Lucius Malfoy entrer dans la cabane de Hagrid. Sale affaire, Hagrid. Très, très sale affaire. Quatre agressions d'enfants de non-magiciens. Les choses sont allées trop loin. En tant que président du conseil d'administration de l'école, il est de mon devoir d'agir et de vous éloigner. M'éloigner ? Où ça ? Pas à la prison des sorciers ? Pas à Azkaban ? J'ai bien peur que si. C'est terrible, Dumbledore. Mais le conseil d'administration estime qu'il est temps de vous remplacer. À compter de cet instant, vous êtes suspendu du poste de directeur de Poudlard. Si le conseil d'administration souhaite mon départ, je m'en irai, bien entendu. Non ! Mais vous vous apercevrez que je n'aurai véritablement quitté l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. Vous vous apercevrez aussi qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Et si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, il lui suffirait de suivre les araignées. Elles lui indiqueraient le bon chemin. C'est la clé de toute l'histoire. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Venez, Hagrid. Ça va, je viens. On a vraiment des ennuis maintenant. Si Dumbledore s'en va, il y aura une agression par jour. Regarde, là-bas. On dirait qu'elle se dirige vers la forêt interdite. Ah.
haut pour moi. Je vais te faire la courte échelle, Harry. Mais tu devras affronter la forêt interdite tout seul.